Bien, bonjour à tous et à toutes. Mon exposé va donc consister, comme vous l'a annoncé, Monsieur le ministre, de vous parler de la compréhension et puis un petit peu de son enseignement, un tout petit peu. Cette compréhension qui pose souvent beaucoup de difficultés à la fois aux élèves, mais aussi à ceux qui doivent l'enseigner. Donc mon propos va être scindé en deux grandes parties, très simples, très classiques. D'abord la compréhension, décrire un peu ce que c'est, quelles sont les habiletés de la compréhension. Et je vais me centrer aujourd'hui sur les habiletés qui consistent à permettre aux personnes, aux lecteurs, qui permettent de lire des textes, c'est-à-dire de comprendre qu'une phrase après l'autre, on a un discours qui est continu et non pas une succession de phrases. Je voudrais aussi insister dans cette présentation sur la question des automatismes et des stratégies, c'est-à-dire des automatismes qui sont des automatismes réels de compréhension et non pas simplement des automatismes de décodage. Et puis j'évoquerai assez rapidement les difficultés que toutes ces habiletés peuvent susciter chez les élèves ou chez les enfants. Et puis je parlerai d'enseignement. En centrant mes exemples sur les pratiques issues des travaux sur l'efficacité de l'enseignement et notamment l'enseignement direct. Donc je centrerai mes exemples là-dessus pour conclure et pour militer sur une complémentarité des approches pédagogiques, puisque vous savez qu'elles sont multiples dans le domaine de la compréhension. Donc je repars en guise d'introduction à partir d'un graphique que je vous avais montré il y a 2 mois maintenant sur l'affluence pour vous montrer que, en fait, la fluidité de lecture en contexte, qu'on appelle la lecture fluide de texte, eh bien, à partir de la fin du CE1, CE2, début CE2, c'est une capacité qui devient autonome, qui intègre les habiletés de décodage proprement dites, d'identification des mots, certaines capacités de traitement du langage oral, de compréhension orale, et cette fluidité de lecture en contexte, elle devient un prédicteur essentiel de la compréhension en lecture à côté de la compréhension orale. Donc on en a parlé la dernière fois, et je voulais simplement vous dire avant, en introduction, que, en fait, les personnes, les chercheurs qui s'intéressaient à décrire les habiletés de compréhension de texte il y a une quarantaine d'années appelait cette fluidité de lecture en contexte, la compréhension en temps réel. Autrement dit, les chercheurs cherchaient à comprendre et à décrire ce qui se passait au fur et à mesure de la lecture et de la lecture-compréhension. Et donc, on décrit à la fois des automatismes, les automatismes de décodage qui concernent le développement, mais les automatismes aussi de compréhension qui sont liés à la richesse du langage, évidemment, mais aussi au développement de stratégies qui se sont automatisées. Donc c'est là-dessus que je vais essayer d'insister tout à l'heure. Et à côté de cette compréhension en temps réel, eh bien on distinguait la compréhension produit fini de la lecture, qui, bien entendu, elle, dépend de la richesse du langage, dépend de la fluidité de lecture en contexte, mais aussi dépend de stratégies métacognitives qu'on doit pouvoir être capable de mettre en œuvre pour réfléchir et pour élaborer sur ce qui a été lu et compris. Toutes les activités de synthèse, de mise en relation avec d'autres lectures, qui permettent les apprentissages nouveaux et la réutilisation des connaissances lues. Donc, en fait, vous voyez, la compréhension, c'est déjà, a priori, c'est déjà, on sait que c'est complexe, c'est une activité cognitive complexe. Vous voyez, il y a 2 versants. Il y a le versant réflexif de la compréhension, et puis il y a le versant automatisé qui nous permet de lire et de comprendre au fur et à mesure qu'on lit. Donc, je ne redis pas, je viens de le dire, la compréhension, c'est une activité cognitive complexe. Je l'ai redit. Donc, le graphique qui est sur cette diapo-là, maintenant, essaye de donner un petit peu un aperçu de tout ce que sont toutes les habiletés, toutes les connaissances qui structurent, qui composent la compréhension d'un texte. Ce graphique, une petite parenthèse, il correspond finalement à la dernière diapo que vous avez vue dans mon exposé sur l'affluence, sauf que je l'ai simplifié, j'ai enlevé toutes les relations que j'avais mises par rapport à toutes les notions et habiletés qui concourent à la compréhension. J'ai fait 2 grands blocs. Le bloc
du bas, qui concerne les habiletés fondamentales, les connaissances fondamentales qui, bien entendu, concourent à la compréhension et constituent le socle du développement de ce que j'appelle les habiletés de traitement du discours continu. J'en parlerai pas aujourd'hui. Vous avez eu, pendant le plan français, je crois, beaucoup d'apports sur les connaissances langagières. Donc, évidemment, elles sont là, elles sont fondamentales au développement de la compréhension. À côté de ce langage, concourent aussi au développement de la compréhension, les connaissances culturelles, nos capacités cognitives, d'attention, de raisonnement, etc. Et puis, le pavé du haut, c'est les habiletés de traitement du discours continu qui nous permet de construire la cohérence locale d'un texte, c'est-à-dire les relations qui existent entre les mots à l'intérieur d'une phrase, entre les phrases elles-mêmes, et puis la cohérence globale qui concerne le thème général et l'organisation des idées. Donc, sur ces deux pavés, il y a aussi en jaune ce qui correspond ou ce qui est spécifique à la lecture proprement dit, donc le travail sur les textes écrits. Le reste correspond à toutes les habiletés qui nous permettent de comprendre un texte, qu'il soit oral ou écrit, tout ce qu'on met en œuvre et qui est commun dans une très large mesure à l'oral et à l'écrit. Et donc, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que, en fait, tous ces mécanismes, toutes ces choses-là, on peut les développer à l'oral comme à l'écrit, et très tôt au cours du développement. Donc, comme je viens de vous le dire, je vais pas me centrer sur les habiletés fondamentales de la compréhension, je vais me centrer sur ces habiletés de traitement du discours continu qui doivent être construites pour lire les textes. Donc, et en perdant évidemment pas de vue, comme je l'ai déjà dit, que ces habiletés se construisent sur les habiletés fondamentales que j'ai évoquées rapidement dans la diapo précédente. Donc je vais passer en revue d'abord rapidement les trois composantes essentielles de ces habiletés de traitement du discours continu, c'est-à-dire la connaissance des types de textes, de leur structuration, l'auto-évaluation et la régulation de la compréhension, et la question des inférences. Donc, les types de textes, très rapidement, c'est important de connaître et de pouvoir maîtriser les différents types de textes, parce que quand on compare ici simplement deux catégories, les narrations d'un côté, les documentaires de l'autre, hein, les textes informatifs. Évidemment, l'objectif de ces textes n'est pas le même. Et les contenus dont ils traitent font référence à des univers qui sont très différents. Dans les narrations, même s'il s'agit d'événements imaginaires, les univers ont trait à la vie quotidienne, au familier, c'est-à-dire sont en général un ensemble de personnages qui réalisent un certain nombre d'actions dans un certain but. Les documentaires ont pour but d'informer et traitent souvent de contenus qui sont abstraits, qui sont éloignés des connaissances quotidiennes. Ces textes ont aussi des structures différentes et donc qui posent des problèmes de lecture et de compréhension différentes. Grosso modo, la narration répond à la structure du récit, même si elle peut intégrer d'autres types de structures, type des descriptions, des énumérations, alors que les documentaires, eux, souvent utilisent des structures diverses et combinées, de la description à l'organisation causale, à la comparaison, à la mise en comparaison, en contraste de différents concepts, différents univers. Et le langage qui est utilisé dans ces différents types de textes est également différent, à la fois au niveau des connecteurs, qui ne sont pas les mêmes d'une phrase à l'autre, des marques référentielles, qui sont moins fréquentes dans les narration, parce qu'il y a peu de personnages, ils sont bien connus, qui sont plus fréquentes dans les documentaires. Un lexique plus familier d'un côté, moins familier de l'autre, puisque souvent, dans les documentaires, on installe des concepts nouveaux. Du coup, la syntaxe est plus complexe dans les narrations, moins complexe dans les documentaires. Et les catégories d'inférences que l'on peut faire, que l'on demande aux personnes de faire, sont différentes. Elles portent sur les intentions et les buts des personnages essentiellement dans les narrations. Elles portent plutôt sur des questions de causalité physique dans les documentaires. Autrement dit, ces types de textes permettent de travailler et de solliciter des habiletés de compréhension différentes. Donc il est important que les enfants puissent connaître ces différents types de textes pour que justement l'ensemble des habiletés soient travaillées et non pas seulement certaines d'entre elles. Maintenant, les inférences, la question des inférences, on peut les définir d'abord comme des formes de raisonnement.
Donc, ce sont des formes de raisonnement qui permettent de saisir les relations, qui sont en général implicites, entre les informations énoncées. Et ces raisonnements permettent souvent d'aller au-delà de ce qui est dit et donc de construire par là la cohérence locale et globale des textes. Au niveau du traitement, il y a énormément de catégorisation d'inférences qui ont été données au fil de l'histoire par les gens qui se sont intéressés à cette question. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle et dans le domaine du développement de la compréhension au niveau de l'école primaire, on a pris pour habitude de distinguer deux types d'inférences. Les inférences qui sont fondées sur le texte, celles qui marquent, qui permettent de construire la continuité entre les informations exprimées d'une phrase à l'autre. Les deux grandes catégories d'inférences de ce type sont les inférences de type référentiel, c'est-à-dire l'interprétation de toutes les marques anaphoriques, les pronoms, les expressions définies, comme par exemple dans cette phrase, vous voyez que on a trois pronoms, lui, elle et l'étourdi, qui renvoient à Cendrillon, et puis le elle apostrophe suivant, qui renvoie à la marraine. Ce sont des énoncés où il y a beaucoup de références, qui sont assez complexes, et que pourtant, nous, lecteurs adultes et entraînés, on comprend sans y penser, et on est capable aussi, chaque fois qu'on en a besoin, de revenir sur un pronom donné et de l'analyser explicitement. Et vous savez que ça pose des questions souvent, des problèmes souvent difficiles aux élèves. La deuxième catégorie d'inférence classique, c'est l'inférence causale, qui consiste à comprendre la causalité qui existe et qui est implicite ici entre deux éléments d'information. Les canards plongent souvent à plusieurs mètres de profondeur. Ils se nourrissent des poissons qui vivent au fond des rivières. Bon, ils plongent parce qu'ils recherchent de la nourriture, par exemple. Qu'on distingue des inférences de connaissances dans lesquelles la relation à établir fait appel à des informations externes au texte, et donc des informations, celles dont l'individu dispose par rapport à la situation. Par exemple, dans cette phrase, Laura entend un bruit sourd venir de l'étage, elle devient toute blanche. Évidemment, il y a une causalité entre le bruit sourd et Laura qui devient toute blanche, mais la raison pour laquelle ces deux énoncés sont probablement liés, c'est qu'on sait qu'on devient tout blanc quand on est effrayé, par exemple, et que le bruit sourd a pu effrayer Laura, qui, du coup, est devenue toute blanche. Donc, vous voyez, c'est un processus un petit peu différent. Bien, la troisième habileté très importante dans le traitement des discours continus, c'est la capacité de contrôle et de guidage. C'est un aspect proprement métacognitif de la compréhension qui fait appel à des degrés divers à l'activité consciente ou raisonnée du lecteur. Cette activité de contrôle et de guidage, elle comprend deux temps bien distincts. Le premier consiste à auto-évaluer, c'est-à-dire à prendre conscience de sa propre compréhension ou de son propre défaut de compréhension. Autrement dit, au fur et à mesure de la lecture, on est capable, quand on est un lecteur aguerri, eh bien, d'avoir une veille par rapport à ce qu'on lit et de se rendre compte au fur et à mesure si on comprend ou s'il y a un endroit qui nous pose problème. Donc c'est la question de l'auto-évaluation. Et puis il y a ensuite la question de la régulation. Quand on a détecté un problème, eh bien, il faut mettre en œuvre des raisonnements, donc ça peut être des raisonnements inférentiels, en tout cas des procédures, des stratégies qui nous permettent de résoudre la difficulté. Donc c'est ces deux temps-là qui constituent le guidage. Bon, j'en ai mis deux petits exemples ici. Lorsque on lit la phrase « Dans son atelier, l'ébéniste a terminé le meuble commandé par ses clients », elle est fière du résultat. Eh bien, quand je lis « elle », ou peut-être un certain nombre d'entre vous ont eu la même réaction, j'ai une réaction d'éveil parce que le genre grammatical d'ébéniste et puis les stéréotypes sociaux font qu'on a probablement, presque tous, élaboré une représentation qui faisait que dans la première phrase, il s'agissait d'un personnage masculin. Et donc, si on veut comprendre ces deux phrases comme deux phrases liées et non pas deux phrases indépendantes, eh bien, il faut revoir l'interprétation de l'ébéniste pour qu'il puisse s'accorder avec le « elle » qui est dans la phrase suivante. Même chose avec ces deux énoncés. Sophie traverse le pont pour se rendre à son travail.
Bon, on se fait une représentation de la chose. Au même moment, un train passe et fait trembler le parapet. Et bien là encore, on a une réaction d'éveil. Et si on veut comprendre la cohérence et construire la cohérence de cet énoncé, eh bien, on va être obligé de transformer notre représentation de départ de la situation, donc de transformer notre modèle de situation de départ, pour que et de mettre, par exemple, une voie ferrée sous le pont à la place d'une rivière. Donc ces aspects sont tous liés au contrôle et au guidage de la compréhension, de la régulation, au fur et à mesure qu'on lit. Bien. Donc le troisième temps va être essayer de bien faire sentir et distinguer cette question des automatismes et des stratégies de compréhension, parce que souvent, il y a une confusion dans ce qui est stratégique et dans ce qui est automatisme. Donc les stratégies de compréhension telles qu'on les décrit dans la littérature sont elles aussi, comme les inférences, des formes de raisonnement. Et en général, on décrit ces stratégies selon qu'elles prennent place avant la lecture, pendant la lecture ou après la lecture. Donc les stratégies qui prennent de prélecture, eh bien, elles ont pour objectif de préparer la lecture, d'adopter, de susciter chez les élèves l'adoption d'une attitude de lecteur actif. Il s'agit par exemple d'identifier les objectifs de lecture, se fixer des buts, se poser des questions sur ce qu'on va lire, sur ce qu'on cherche à savoir, etc. Ça peut aussi consister à explorer au préalable le texte, ses différentes parties, pour voir comment il est structuré. Donc de faire quelques hypothèses, par exemple. Et puis, il y a les stratégies postérieures à la lecture, que j'ai évoquées dans ma première diapo tout à l'heure, qui sont des stratégies qui sont destinées à restructurer, à organiser les informations, hein, pour construire une représentation cohérente de l'ensemble des informations qui ont été lues dans un texte, un schéma mental, une carte mentale, enfin, une représentation structurée et cohérente. Ces stratégies, elles ont pour objet de consolider la compréhension. Et ce sont des stratégies qui, bien entendu, sont essentielles à l'acquisition de connaissances nouvelles. Par exemple, toutes les activités de synthèse qu'on peut proposer, extraire les idées principales, résumer, schématiser, les activités d'évaluation, de comparaison, qui permettent d'adopter des attitudes un peu critiques par rapport à ce qu'on a lu, c'est-à-dire des activités aussi qui consistent à se demander qu'est-ce que j'ai appris que je ne savais pas pendant cette lecture, est-ce que j'ai atteint mon objectif, etc. Et puis enfin, il y a les stratégies pendant la lecture, c'est-à-dire les stratégies qui permettent de construire la cohérence des textes au moment de la lecture, pendant qu'on lit, hein, certaines stratégies inférentielles que je viens de décrire ou de régulation. Donc, dans ces stratégies pendant la lecture, je dirais qu'il y en a de deux sortes. Il y en a qui sont relativement générales, qui sont des stratégies de, je dirais, d'approfondissement de la lecture relativement générale. Relire, paraphraser, annoter, prendre des notes pour les plus grands, auto-expliquer ce qu'on a lu, visualiser, imager. Et puis, il y a des stratégies qui sont liées au traitement du texte au pas à pas. Par exemple, comprendre la structure des phrases complexes, donc découper le texte pour bien le structurer, comprendre des mots difficiles ou inconnus, faire des inférences de liaison sur le texte ou des inférences de connaissances, utiliser évidemment la connaissance de la structure des textes et se poser les fameuses questions qui, quand, où, quoi, pourquoi, comment. Alors, c'est là que j'en viens à ma discussion sur les automatismes et les stratégies. Comprendre, c'est finalement une coordination constante d'automatismes, de compréhension et de traitement délibéré. Dans les stratégies dont je viens de parler, certaines sont toujours métacognitives, c'est-à-dire qu'elles impliquent toujours un traitement délibéré. Ce sont toutes les stratégies préparatoires à la lecture. Il faut toujours en prendre conscience, le faire de manière délibérée. Ou les stratégies postérieures à la lecture, quand il s'agit de faire des synthèses, des résumés, des appréciations, etc. Et puis, il y a toutes les stratégies pendant la lecture, que l'on appelle très souvent, plutôt que stratégies métacognitives, des stratégies de lecture. En fait, ce sont ces stratégies-là, pendant la lecture,
qui sont susceptibles d'automatisation et qui font la compréhension en temps réel. Elles restent des stratégies parce qu'on peut y avoir recours de manière consciente, donc délibérée, quand on en a besoin, quand on détecte un problème. Mais la plupart du temps, quand on est lecteur expert et aguerri, ces stratégies sont des automatismes. Elles ont été automatisées au même titre qu'on a automatisé les procédures de décodage. Par exemple, toutes les inférences qui concernent le suivi des références, dont j'ai donné l'exemple tout à l'heure avec l'exemple de Cendrillon, les stratégies de traitement de la causalité, de la temporalité, de la compréhension des mots inconnus dans un contexte, de la sélection d'un sens polysémique, quand vous avez la phrase « Max pêche au bord de l'étang », vous ne vous posez pas la question de quelle pêche il s'agit. Ça devient automatique. Mais, en fait, ces stratégies-là, elles nous permettent, quand on est face à une difficulté, d'avoir accès à un raisonnement délibéré qui va nous permettre de résoudre la difficulté. C'est en ce sens-là qu'elles sont stratégies, mais ce sont des stratégies ou des procédures de raisonnement susceptibles d'automatisation. De même, les mécanismes qui nous permettent de suivre l'évolution des situations, donc l'évaluation, l'auto-évaluation et la régulation, qui me permettent de se faire les films des histoires, quand on est un lecteur aguerri, eh bien, c'est quelque chose qui est quasi automatique. On a une réaction d'éveil, mais on n'hésite pas très longtemps pour mettre à jour nos modèles de situation. Donc c'est une dimension importante que ce jeu permanent d'automatisme et de stratégie, parce qu'il permet de sentir les différents points nodaux dans la question de la compréhension de son enseignement et de son entraînement. Un petit point aussi auquel il faut avoir conscience, c'est que les automatismes, eh bien, ce sont eux qui sont à la base du sentiment d'évidence que l'on a quand on lit et qu'on est un lecteur entraîné. Bon, j'ai déjà donné quelques exemples, j'en reprends ici. Voilà un très court paragraphe dans lequel il est question du capitaine Dick Sand qui a dû, le 9 juillet, faire preuve d'un extrême sang-froid. Il était seul à terre à l'affût d'un kama dont les cornes se montraient au-dessus d'un taillis et il venait de le tirer lorsque bondit à 30 proies un formidable chasseur qui sans doute venait réclamer sa proie et n'était pas d'humeur à l'abandonner. C'était un lion de grande taille. Quand on lit ce texte, en général, et qu'on en est lecteur aguerri, eh bien, au fur et à mesure de la lecture, on construit une représentation précise, imagée de ce que dit l'extrait. Et tous, on s'accorde sur l'essentiel de certaines interprétations, c'est-à-dire qu'on a construit un scénario dans lequel un personnage armé d'un fusil de chasse une antilope, dans un décor tropical. Et que ce dit chasseur se trouve soudain face à un lion imposant. Et ça nous permet de comprendre pourquoi le personnage principal a eu, à un moment donné, à faire preuve d'un extrême sang-froid. On le comprend au fur et à mesure, sans que ça nous pose de problème, et on s'accorde sur ses interprétations en général. Or, pour interpréter, pour parvenir à ce scénario, on a fait une multitude de choses au fur et à mesure de la lecture, établir le personnage principal, se mettre en éveil, il a eu à faire preuve d'un extrême sang-froid, et puis il était en train de chasser un kama, même si on n'a jamais entendu parler de ce que c'est qu'un kama, eh bien, les informations qui suivent nous permettent d'inférer au moins un sens probable à ce terme, etc., etc., on interprète les pronoms, etc., etc. Donc, au fur et à mesure, on met en œuvre bien plus de choses que la simple identification des mots pendant qu'on lit. Et donc, ce sentiment d'évidence, c'est, comme je viens d'essayer de l'exprimer, une illusion d'évidence, parce qu'on met en œuvre plein de choses, et je voudrais juste vous donner un exemple adapté aux adultes, pour essayer de faire sentir, finalement, ce à quoi peuvent être confrontés les enfants qui, pour des raisons ou une autre, ont des difficultés de compréhension, soit parce qu'ils ont un langage relativement peu élaboré, soit parce qu'ils lisent difficilement, soit parce qu'ils connaissent mal la structure de la langue, etc. Donc, ils peuvent être face à des textes pour lesquels,
qui reste pour eux très mystérieux. Je vais lire quand même cette phrase. Les conditionnements associés à une classe particulière d'existence, de conditions d'existence, produisent des habitus, systèmes de dispositions durables et transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c'est-à-dire en tant que principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptés à leur but sans supposer la visée consciente de fin et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre. En général, quand on lit ça pour la première fois, on se dit « mais encore », et soit on abandonne, soit on repart au pas à pas et on essaye de comprendre comment sont structurées les informations, comment les différentes propositions sont juxtaposées, comment les arguments qui sont donnés se répondent, et pour peut-être parvenir à une représentation de ce qui est dit ici, en détectant par exemple que l'auteur nous définit ou nous décrit un nouveau concept, le concept d'habitus, que ce concept, il le définit comme étant un conditionnement, qui en est comme étant un système de disposition durable, des structures non conscientes, que son origine, l'origine de ce concept, c'est les conditions d'existence, et que ce concept a une fonction qui est d'organiser les pratiques et les représentations. Alors bien sûr, ça reste abstrait, ça reste flou, mais ça reste, c'est une extraction, comment dire, de la macrostructure de ce que dit cette phrase, et c'est une extraction qui peut-être va nous permettre de mémoriser un peu l'information, et la prochaine fois qu'il sera question d'habitus dans un texte, ou qu'un exemple viendra enrichir la notion d'habitus, eh bien on va pouvoir l'agréger à cette première représentation déjà construite. Donc ça, c'est ce que j'appellerais la compréhension de ce que dit le texte. Et puis, évidemment, cette compréhension, elle nécessite donc tout un ensemble, mise en œuvre, tout un ensemble de processus que j'ai essayé d'illustrer très rapidement jusqu'ici. À partir de cette compréhension, finalement, qu'on va pouvoir interpréter ce que dit le texte. Par exemple, on peut rester à ce niveau schématique de compréhension relativement abstraite, si on n'a pas vraiment de connaissances sur les thèmes abordés par l'auteur. Mais si on a un certain nombre de connaissances, on va peut-être pouvoir rapporter ce nouveau concept et ce nouveau cadre à des connaissances préexistantes et interpréter les textes. Et là, les interprétations peuvent varier en fonction, justement, des cadres théoriques ou des connaissances générales des individus. Par exemple, je vous donne ici mon interprétation, qui est celle de quelqu'un qui est plutôt un psychologue de la cognition. Et donc, ce que dit Bourdieu, qui, du haut d'une autre discipline qui est la sociologie, me fait penser à moi, à la chose suivante. Quand on me parle de conditionnement, lié à des classes particulières d'existence, je comprends qu'il s'agit d'un apprentissage social, qui est un apprentissage associatif, lié à la fréquence et à la répétition, puisque c'est la définition du conditionnement. Qu'ensuite, on me dit que c'est un système de disposition durable et transposable, des structures structurées, qui organisent les pratiques et les représentations. Ça évoque pour moi la question du schéma mental, c'est-à-dire ces types de représentations qui représentent dans notre système cognitif des situations typiques et les comportements qui sont associés, qui nous permettent de nous comporter dans la vie de tous les jours. Enfin, qui peuvent être objectivement adaptés à leur but sans supposer la visée consciente et la fin et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre. Alors je comprends que ça veut dire que ces représentations, ces connaissances, elles sont non conscientes la plupart du temps, qu'elles ont été apprises, on dirait aujourd'hui, de manière implicite. Autrement dit, l'apprentissage implicite, c'est un petit peu le terme moderne du terme de conditionnement. Ce sont des apprentissages qui nous permettent de nous comporter dans la vie sans en avoir une connaissance vraiment explicite, donc verbalisable. Donc ce sont des automatismes. Voilà comment j'interpréterais cette phrase de Bourdieu, et peut-être qu'un sociologue dans la salle pourrait venir discuter avec moi parce qu'il n'est pas d'accord sur mon interprétation. Mais en tout cas, on réussirait probablement très facilement à se mettre d'accord sur la carte mentale
la carte mentale que j'ai montrée tout à l'heure. Bien. Dernier point important par rapport aux automatismes, c'est que s'ils sont la condition de la compréhension au fur et à mesure, ils peuvent aussi être source d'erreurs. Et donc, il faut être très. Et c'est là où le jeu de l'attitude métacognitive et vigilante au moment de la lecture et le développement des automatismes prend tout son sens. Alors, j'illustre ça avec la question de l'énoncé des problèmes arithmétiques. Vous savez tous que lorsque l'on lit des problèmes arithmétiques, quand on donne des problèmes arithmétiques aux enfants, comme par exemple celui-ci, Paul a 8 billes, il a 5 billes de plus que Julie, combien de billes a Julie ? Vous avez tous vu des enfants qui, systématiquement, lorsqu'on leur donne cet énoncé de problème, font une addition pour répondre à la question. En fait, le quantificateur de plus, il a pour vocation d'activer des schémas qui souvent ont été automatisés, le schéma de l'addition, par exemple, ici. Et donc, pour résoudre ces problèmes-là, donc quelque chose qui est totalement automatisé, et pour résoudre pourtant le problème à bon escient, non seulement il faut construire le bon modèle de la situation, donc bien comprendre l'énoncé du problème, pour pouvoir accéder au bon modèle mathématiques, et parfois cette résolution, elle nécessite l'inhibition de ces schémas arithmétiques qui sont activés automatiquement. Et donc ça nécessite ici de mettre en œuvre des procédures d'auto-évaluation de ce que l'on accomplit. Je vous donne un exemple plus adapté au monde adulte. Souvent, beaucoup d'adultes, quand ils sont face à cet énoncé de problème, Hélène et Kim courent sur un circuit à la même vitesse, mais Hélène est partie plus tard. Kim a parcouru 15 tours quand Hélène en a fait 5. Quand Hélène aura parcouru 30 tours, combien Kim en aura-t-elle parcouru ? Souvent, les gens font une multiplication pour donner le résultat du nombre de tours que Kim aura parcouru quand Hélène en aura fait 30. Donc, active un schéma multiplicatif parce que les rapports entre les nombres donnés nous font penser spontanément à la multiplication. Et si on fait ça, ben on oublie que le début du problème nous a dit que les deux personnes couraient à la même vitesse. Donc elles courent à la même vitesse de manière constante. Et pour répondre à la question, ce n'est pas une multiplication qu'il faut faire, mais une première soustraction pour comprendre qu'il y a une différence de 10 tours entre les deux personnes. Et que donc, quel que soit le nombre de tours courus par l'une, l'autre en aura toujours couru 10 de plus. Donc c'est vraiment un jeu complexe hein, et permanent entre une activité consciente, la compréhension et la mise en œuvre d'automatisme. Donc pour résumer ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, je crois qu'on peut dire que la compréhension sollicite évidemment des connaissances fondamentales, langagières et culturelles dont vous avez eu l'occasion de parler tout au long de l'année, et des processus spécifiques au traitement des textes qui sont faits à la fois d'automatismes, qui sont nécessaires ces automatismes pour que la compréhension ait lieu au fur et à mesure que la lecture se fait ou que l'audition d'un texte se fait. Ces automatismes sont à l'origine du sentiment d'évidence qu'ont tous les bons lecteurs quand ils lisent, mais ces automatismes ont aussi pour les lecteurs aguerris et donc pour les enseignants souvent des difficultés à analyser l'activité elle-même et donc à analyser les difficultés que peuvent rencontrer les élèves parce qu'il y a telle ou telle habileté ou tel mécanisme qui n'est pas en place. Et sur tous ces automatismes, peuvent être source d'erreurs possibles. Donc il est important de pouvoir comprendre et repérer ces erreurs. Et puis à côté, il y a toujours des traitements délibérés qui nous permettent de repérer les difficultés justement, de les surmonter, d'aller de la compréhension à l'interprétation et d'avoir un regard critique sur sa propre activité. Et donc c'est le jeu de ces ensembles de choses qui permettent de construire une compréhension aguerrie. Deux autres points importants, c'est que la compréhension, ça n'est jamais un processus en tout ou rien, mais ça s'inscrit sur un continuum qui va de l'absence de compréhension, hein, quand on lit les mots sans comprendre de quoi il s'agit,
d'une compréhension juste littérale, par exemple la construction d'une carte mentale de ce qui est dit dans un texte, à une compréhension approfondie et une interprétation du texte. Et donc, évidemment, hein, le sens ne découle pas systématiquement du décodage, ce que je dis souvent, ni même d'une lecture fluide, puisqu'après la lecture fluide, il y a aussi toute la dimension de synthèse, d'interprétation et de compréhension de l'ensemble de ce qui a été dit dans le texte. Alors très rapidement, les difficultés maintenant, on pourrait en parler pendant très longtemps, mais en fait, ce que les travaux depuis une trentaine d'années nous apprennent, c'est que en fait, les personnes qui ont des difficultés de compréhension, eh bien, ils rencontrent des difficultés avec un peu la construction de tous les aspects du traitement des textes, mais qu'évidemment, pour chaque individu, les difficultés peuvent être spécifiques. Elles peuvent porter sur un point ou sur un autre, ou ils peuvent en cumuler un ou deux. Mais en règle générale, ce qu'on observe, c'est que les enfants, les élèves qui sont des faibles compreneurs, donc qui comprennent mal ce qu'ils lisent, ont du mal d'abord avec le développement du langage. Autrement dit, on observe souvent que les moins bons compreneurs ont un vocabulaire plus faible, une maîtrise de la structure de la langue plus faible que les bons compreneurs. Ben, forcément, puisque ces connaissances-là, elles sont au fondement du développement des habiletés de traitement du texte. Ils ont aussi souvent des stratégies de lecture, notamment les stratégies que j'ai appelées pendant la lecture, peu développées. Ce qui fait que quand ils sont face à une difficulté, eh bien, ils ne disposent pas des raisonnements, des procédures pour remédier aux difficultés. Et ils ont du coup du mal avec la lecture fluide, puisqu'il reste souvent des lecteurs qui ont du mal à lire et à comprendre en même temps. Ils ont aussi des difficultés avec les stratégies. On a souvent montré que souvent ces enfants qui comprennent mal ont du mal à prendre conscience des points qui, dans un texte, leur posent des difficultés. C'est ces élèves dont on leur dit, qui nous répondent oui quand on leur demande « Est-ce que tu as compris ?»« Oui, pas de problème. » Mais quand on leur pose une question, ils ne peuvent pas y répondre. Donc ils ont du mal à auto-évaluer leur compréhension. Ils échouent souvent aussi à utiliser la stratégie pour remédier à une difficulté quand ils en ont pris conscience, hein, parce que souvent, ces stratégies, ils ne les connaissent pas ou mal. Et quand ils font des inférences, souvent, ils les font à moins bon escient, d'entre eux, ils se laissent beaucoup avoir par les automatismes qui, parfois, sont source d'erreurs et font qu'ils font des inférences erronées quand ils lisent des textes. Et ils ont évidemment beaucoup de difficultés aussi à suivre l'évolution des situations dans les textes, donc à mettre à jour au pas à pas leurs interprétations. Donc le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'était le point de l'enseignement, en commençant par un bref état des lieux à partir de l'enquête Pearls de 2016. Monsieur le ministre l'a évoqué tout à l'heure, donc je vais passer assez vite, mais quand même pour vous dire que, en fait, cette enquête, elle évalue deux types de lectures, et donc l'objectif de l'évaluation porte sur deux types de lectures. La lecture littéraire, pour l'expérience littéraire, et la lecture de documentaires pour acquérir et utiliser l'information. Donc deux objectifs précis dans ces enquêtes. Je vous donne également ici, j'illustre un type de texte documentaire qui avait été donné en 2016 ou 2011, je ne sais plus, aux élèves. Donc vous voyez, un texte relativement long, entre 800 et 1000 mots à peu près, et puis émaillé d'illustrations. Donc les élèves doivent lire ce texte in extenso, par exemple. Donc voilà. Et à l'issue de cette lecture, les questions qui sont posées aux élèves évaluent différents types de processus de compréhension. Le premier, c'est prélever une information, donc la capacité des élèves à prélever une information explicite, donnée explicitement dans le texte, ici posée sous forme de QCM. Donc les enfants doivent cocher la bonne réponse, la réponse adaptée par rapport à la question posée, qu'est-ce qu'un fossile ? Le deuxième type de processus évalué, c'est la capacité à faire des inférences simples. Ce qu'on entend par inférence simple, c'est-à-dire, c'est la capacité à mettre en relation deux éléments d'information qui sont donnés dans le texte.
par exemple, une inférence liée au traitement d'une reprise pronominale, une inférence liée au traitement des relations causales entre les événements. Donc ici, on a une question inférentielle simple, et les enfants doivent répondre en écrivant une phrase, donc c'est une question ouverte. Donc vous voyez, on mixte aussi non seulement les processus évalués, mais la manière de les évaluer. Hein. Ensuite, vous avez des questions qui sont intitulées dans PIRLS, interpréter et intégrer les informations et les idées. Et donc là, il s'agit pour les élèves de remplir un tableau à double entrée dans lequel ils doivent aller chercher à différents endroits du texte, donc à faire une synthèse un petit peu, des éléments d'information, des arguments qui font que le monsieur Mantel en question pensait que cette dent fossile qu'il avait trouvée pouvait appartenir à différents types d'animaux. Et enfin, la quatrième type de processus évalué concerne la capacité à évaluer, critiquer, apprécier le contenu et les éléments du texte. Donc là, en fait, dans cette question, il est question réellement de synthétiser l'ensemble des informations. Puisqu'en fait, on demande aux enfants, en leur présentant ces deux images, que tel à comprendre. Et la question attendue par l'enquête, c'est que la réponse démontre la compréhension que les images montrent des changements de conception scientifique. Donc vous voyez, vraiment s'extraire du texte pour comprendre le thème général, ou que ces deux images montrent les conceptions de différentes personnes par rapport à l'iguanodon. Donc, en fait, il y a des processus très, très différents. Et donc, quand on regarde les résultats chiffrés, PIRLS avait montré que les élèves français, les résultats moyens des élèves français étaient 30 points au-dessous des pays socio-économiques comparables, ce qui est quand même important en moyenne. Que les élèves français étaient surreprésentés dans le groupe des plus faibles et sous-représentés dans le groupe des meilleurs. Donc, en fait, on a un système éducatif qui, jusqu'en 2016, avait des difficultés à réduire les difficultés et à conduire ce qu'il pouvait vers des niveaux de compétences élevés. Mais si on prend en considération le type de texte lu et les questions auxquelles on doit répondre, ce qu'on observe en 2016, c'est que depuis 2001, puisque l'enquête est refaite périodiquement depuis 2001, la performance moyenne en compréhension a baissé de 14 points, mais de 22 points sur les textes informatifs et de seulement 6 points sur les textes narratifs. Donc il y a peut-être là aussi quelque chose qui a à voir avec ce que les enfants lisent le plus dans notre système éducatif. Et puis, les difficultés sont plus marquées sur les processus de compréhension complexe, c'est-à-dire les questions de type synthétisé, interprété, moins 21 points par rapport en 2001, alors que sur les processus simples, type prélevé, inféré, seulement moins 8 points. Donc quelque chose de beaucoup moins important. Peut-être que ces résultats ont peut-être aussi à voir avec ce que déclarent faire les enseignants dans leur classe, selon qu'ils sont des enseignants français ou des enseignants des autres pays de l'UE. En fait, dans cette enquête, on a interrogé les enseignants sur leur pratique aussi, et on observe que, vous voyez, les enseignants français font beaucoup d'activités qui consistent à demander aux élèves de retrouver des informations dans un texte, 99% disant faire au moins une fois par semaine, contre 96% dans les pays de l'OCDE, donc à peu près de la même manière. Ensuite, expliquer, argumenter, dégager les idées principales. Bon, les enseignants en font un petit peu moins, mais ça reste comparable. Et puis ensuite, dans toutes les autres catégories, généraliser ou élaborer des inférences, prévoir ce qui va se passer, comparer avec ses lectures antérieures, etc. Alors là, les enseignants français en font beaucoup moins. Donc leurs activités, les activités qu'ils proposent aux élèves français en termes de compréhension en lecture sont, à ce tableau, semblent beaucoup moins diversifiées et rester sur la gestion de processus les plus simples dans les activités de lecture. Donc, à mon avis, avec ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, l'enjeu pour moi de l'enseignement de la compréhension, c'est de former à la fois et de la lecture en général, c'est de former à la fois des lecteurs fluides, qui aient développé des automatismes, y compris de compréhension,
et des lecteurs stratèges qui aient développé des capacités de raisonnement, de réflexion sur les contenus qu'ils lisent ou qu'ils entendent, qui soient capables d'auto-évaluer et de réguler. Et c'est à ce prix, à mon avis, que les élèves peuvent venir, des élèves capables d'apprécier ce qu'ils lisent, d'interpréter, de synthétiser et de mémoriser. Et je donne la parole juste quelques minutes, ou j'emprunte plus exactement la parole juste quelques minutes à Alain Beltonilla, qui va intervenir juste après moi, qui disait dans une conférence il y a quelques années que la compréhension des textes, c'est à la fois être capable de susciter des formulations particulières de ce que l'élève voit dans sa tête, lui et pas un autre, mais c'est en même temps redonner au texte son statut, son droit à ne pas être trahi. Et donc ça, je crois que ça, cette phrase de M. Beltonilla traduit bien cette idée que la compréhension des textes, c'est à la fois comprendre ce qui est dit, et c'est pouvoir ensuite l'interpréter. Et il disait aussi, donc l'apprentissage de la compréhension ne se fait pas de lui-même, il mérite un apprentissage explicite, programmé du simple au plus complexe. Donc en fait, moi ici, ce que je voudrais juste aborder pour la fin de cette intervention, c'est vous parler des activités de compréhension pour apprendre à comprendre ce que dit le texte sans le trahir, qui, à mon sens, est le préalable à toute interprétation fondée de ce qu'on a lu. Et je vous parlerai de cet aspect de l'enseignement à partir des pratiques, où je l'illustrerai à partir des pratiques d'enseignement direct qui sont issues des recherches sur l'efficacité de l'enseignement. Donc sur un cas particulier d'enseignement direct, d'enseignement explicite, pardon, sachant que, évidemment, ça n'est pas la seule approche que l'on peut utiliser pour enseigner la compréhension. Donc les recherches sur l'efficacité de l'enseignement, un petit rappel rapide, ce sont des recherches qui sont connues sous le terme de recherches sur les effets maîtres ou les pratiques efficaces et qui proviennent de deux traditions de recherche. La première, c'est les sciences de l'éducation qui ont procédé par observation et qui ont mis en relation des pratiques pédagogiques qu'ils sont allés observer dans les classes avec les progrès des élèves entre le début et la fin de l'année. Ce sont ces travaux-là, donc ces travaux liés à l'observation des pratiques, qui ont extrait un certain nombre de pratiques privilégiées par les enseignants et qui semblaient faire plus progresser les élèves. Et ils ont intitulé ces chercheurs, cet ensemble de pratiques, l'enseignement direct. Ensuite, il y a les psychologues de l'éducation qui se sont inspirés de ces idées sur l'enseignement direct et qui ont construit des dispositifs qu'ils ont expérimentés en utilisant les gestes pédagogiques de l'enseignement direct. Et pour beaucoup, du moins à leur début, dans les années 80-90, ont intitulé leur recherche « Recherche sur l'enseignement explicite de stratégie de compréhension ». Donc finalement, l'enseignement explicite de stratégie de compréhension, au moins jusque dans les 30 dernières années, eh bien, c'est un sous-ensemble de l'enseignement direct. Et donc, ces types d'enseignement, eh bien, ont montré dans les résultats que les approches explicites et structurées, que j'appellerai aujourd'hui directes, parce que c'est vrai que le terme explicite s'est diffusé très largement, et donc il a il y a des glissements sémantiques qui se sont opérés, donc je vais rester sur l'enseignement direct pour éviter ces glissements sémantiques. Et donc, que ces approches, elles améliorent les performances et surtout qu'elles tendent à réduire les écarts entre les élèves à tous les niveaux de la scolarité. Alors que des approches plus implicites, par imprégnation, alors j'entends par là, par exemple, des lectures silencieuses. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, hein. Ça veut dire que si, par exemple, l'enseignement de la compréhension est essentiellement un enseignement lié à une lecture autonome des élèves quand ils sont jeunes, alors on creuse les écarts entre les élèves et ce sont surtout les meilleurs élèves qui en bénéficient, du moins donc à l'école primaire. Donc cet ensemble de résultats a conduit un certain nombre de pays
notamment en Amérique du Nord, les USA comme le Canada, la Grande-Bretagne, pour ce tableau-là, a donné des recommandations pour améliorer l'enseignement à l'école. Et la Grande-Bretagne, il y a donc 4 ans maintenant, recommandait pour enseigner la compréhension 3 choses. Développer les capacités de langage pour soutenir la lecture-écriture, donc les capacités langagières, développer la lecture fluide en contexte et enseigner des stratégies de compréhension par le modelage et la pratique guidée. Ces recommandations sont souvent assorties ou associées à un degré de confiance. Ce degré de confiance, il faut le lire comme un degré qui repose sur la quantité et la qualité des recherches dont on dispose pour faire cette recommandation. Donc c'est vraiment un paramètre qui lie à la fois la quantité des recherches et leur qualité scientifique. Donc ça ne veut pas dire que d'autres choses ne peuvent pas exister, mais simplement on n'a pas les recherches nécessaires pour pouvoir les évaluer en termes de degré de confiance. Donc tous ces dispositifs d'enseignement direct, ils ont en commun de faire appel à la réflexion consciente de l'élève, donc à chercher à développer ses capacités métacognitives et à développer cette attitude dont j'ai essayé de parler, d'autorégulation active de sa propre compréhension. Ils ont aussi en commun d'utiliser la modalité orale pour rendre perceptibles les mécanismes, c'est-à-dire quand on comprend un texte et quand on répond à une question à l'issue de la lecture ou de l'audition d'un texte, eh bien on voit ou on perçoit la réponse qu'on donne, mais jamais le raisonnement qu'on a suivi pour donner cette réponse. Donc en fait, la modalité orale a ce rôle de rendre perceptibles les mécanismes en jeu dans les activités de reformulation et de justification. Donc les principes de l'enseignement explicite, je vais passer très vite parce que je vais l'illustrer et puis je crois que j'ai dû déjà parler pas mal. Donc je vais passer un petit peu vite. En général, dans un enseignement direct, on a 4 ou 5 types d'activités qui sont regroupées et qui sont saillants. La première, c'est que l'enseignant fournit un étayage et une supervision importante dans les apprentissages. Il fixe des objectifs et surtout ce qui distingue l'enseignement direct d'autres types d'enseignement, c'est que l'enseignant n'hésite pas à découper l'activité complexe, par exemple la compréhension en lecture. Il n'hésite pas à découper cette activité complexe en unités maîtrisables, c'est-à-dire en centrant l'attention sur des sous-habiletés, le traitement des pronoms, la causalité, l'auto-évaluation, la régulation, etc. Et puis il explicite les raisonnements qu'il suit pour résoudre un problème, pour utiliser une notion en ce qui concerne la compréhension. On parle de modelage. Ensuite, le deuxième temps de ce type d'enseignement, c'est la pratique guidée, c'est-à-dire un moment où les élèves vont réaliser des exercices sous la supervision du maître, lequel organise des interactions fréquentes entre les élèves et lui avec les élèves pour les guider vers la maîtrise de la notion. Alors il faut savoir que ce temps de pratique guidée, il est surtout important pour les élèves en difficulté. Plus ils en font et plus ils progressent. Ensuite, il y a des temps de pratique autonome, donc d'exercice, d'entraînement. Un rôle particulier est joué à l'oral pour montrer et s'approprier les procédures, comme je viens de le dire, donc pour rendre perceptibles les processus cognitifs. Et puis surtout, des feedbacks et des révisions importantes, souvent, fréquentes. Les feedbacks permettant, par exemple, de prévenir les emplois inadaptés des notions ou des stratégies qu'on vient d'apprendre. Donc, vraiment, un travail d'interaction permanent avec l'élève. Donc, je vais vous donner un exemple de la formalisation, finalement, d'une stratégie en termes d'enseignement direct. Et j'ai choisi la stratégie du FINAS, qui est finalement la fameuse stratégie du film de l'histoire, mais ici un peu déroulée et formalisée en termes d'enseignement direct. Donc il y a d'abord un moment où on fixe les objectifs. Par exemple, on dit aux enfants, je ne vais pas tout lire, juste que c'est souligné, nous allons apprendre à retrouver les différentes parties d'une histoire ou d'un récit pour mieux comprendre son déroulement et retenir l'essentiel. Donc pour mieux comprendre le déroulement, pour retenir l'essentiel. Ensuite, on définit les parties classiques
de l'histoire, la situation de départ, l'élément déclencheur, la partie principale, le dénouement, etc. Et puis on procède par une analogie en disant, bah, c'est comme dans les films ou dans les dessins animés, par exemple quand on regarde une série policière, etc. etc. Donc une installation des objectifs. Ensuite un modelage, qui peut être un modelage relativement frontal quand les enfants ont des grandes difficultés, quand on veut aborder une notion complètement nouvelle, mais qui peut être aussi un modelage interactif avec les élèves, comme c'est le cas ici. Par exemple, les enfants sont des enfants qui sont déjà lecteurs, suffisamment bons lecteurs, ils ont le texte sous les yeux, et dans la marge, j'ai rappelé hein, les parties de l'histoire sur la pellicule qui est figurée là. Et l'enseignant va lire à haute voix le texte et va demander aux élèves de suivre et de repérer les quatre éléments dont on a déjà parlé, la situation de départ, etc. Donc on peut éventuellement, si c'est nécessaire, rappeler, bien entendu, les définitions avant que les enfants s'engagent. Et puis surtout, à la fin, quand on a fini de lire, eh bien, on va engager une discussion, on va demander aux élèves où est-ce qu'ils ont segmenté, pourquoi, et on va surtout leur demander de justifier leur segmentation. Donc il ne va pas s'agir de dire « Ah oui, ça c'est la bonne segmentation » ou « Ça c'est pas la bonne segmentation », mais s'il y a deux segmentations différentes, alors pourquoi vous avez segmenté différemment ? Et de engager les enfants dans une recherche des justifications du travail qu'ils ont fait. Et en synthèse, on donne toujours son propre raisonnement, donc le propre raisonnement qui va ici être en quatre étapes. 1, j'identifie la partie qui présente la situation de départ. 2, je repère l'élément déclencheur. 3, la partie principale. 4, le dénouement. Et enfin, pour une procédure de vérification qui ici est, pour être sûr d'avoir bien compris, je reformule en une phrase et avec mes propres mots l'idée principale de chaque partie. Grand 1, grand 2, grand 3, etc. Bien sûr, appliqué au texte qu'on vient de lire. Et donc, on vérifie que cette reformulation correspond au film au déroulement de l'histoire. Ensuite, les temps de pratique guidée sont souvent des temps de pratique collaborative. Autrement dit, des temps pendant lesquels les enfants vont travailler ensemble et vont donc devoir se mettre d'accord. Donc, c'est une première manière donc, de discuter et de prendre en charge la stratégie pour pouvoir affiner sa maîtrise et les raisonnements qui vont avec, en travaillant ensemble sur un exercice, par exemple, comme affiché ici. Et ils vont devoir donc segmenter le texte, donc s'accorder, discuter sur la segmentation, et résumer, donc écrire l'idée principale de chacune des parties. Donc, là encore, une discussion pour comprendre et pour se mettre d'accord sur ce qui est essentiel dans chacune des parties. Et bien ensuite, évidemment, des synthèses qui vont faire qu'on va pouvoir comparer et discuter avec les enfants de chacune de leur production, des productions des groupes, et éventuellement de discuter encore pour savoir pour essayer de se mettre d'accord sur la segmentation adaptée. Donc en fait, l'idée, c'est qu'ensuite, eh bien, on garde une trace, une formalisation qui fait qu'on a une démarche, donc une procédure de raisonnement, qui est associée à une difficulté et une procédure de vérification. Autrement dit, c'est une démarche qui va être utilisée, qui va pouvoir être utilisée ou réutilisée quand on a une difficulté au cours du traitement du texte. Ensuite, il y a deux temps importants. Le temps de l'entraînement, c'est-à-dire le temps pendant lequel les enfants vont réaliser d'autres exercices pour s'entraîner et intégrer ces procédures à leur bagage cognitif. Et un autre temps tout aussi important, c'est celui du réinvestissement, c'est-à-dire le travail sur des textes longs, des vrais textes, d'autres textes, et d'apprendre à cette occasion l'utilisation coordonnée et souple des stratégies. Autrement dit, c'est d'apprendre aussi aux enfants, dans ce type d'approche, d'inciter, évidemment, à utiliser les stratégies apprises, mais surtout pas n'importe quand, pas n'importe comment, donc à bon escient.
je sors de la stratégie du cinéma, juste pour donner un exemple de cette idée-là. C'est que vous connaissez, vous savez tous, l'exemple de la stratégie, pour comprendre un mot inconnu, l'une des stratégies utilisables, c'est l'utilisation de la morphologie des mots. Alors c'est une stratégie importante, c'est une stratégie efficace, qui permet de comprendre de nombreux mots, mais elle est d'aucun secours dans certains cas, comme dans le cas de des mots comme baguette, reculé, visage. Et donc, quand on est face à un texte, non seulement il faut repérer la difficulté qu'on a, mais il faut pouvoir activer ou aller chercher la bonne, le bon raisonnement, la bonne procédure, la bonne stratégie pour résoudre la difficulté. Donc lorsqu'on est face à des mots qui ne sont pas des mots morphologiques, ce n'est pas la stratégie de la morphologie qui est adaptée, mais peut-être une stratégie contextuelle différente, une stratégie contextuelle. Et donc, en fait, l'idée, c'est que dans ce type de démarche, il faut apprendre les stratégies, mais ensuite, il faut apprendre à les réinvestir et à les utiliser à bon escient. Donc, l'idée, c'est de doter les élèves, en fait, ou les enfants, d'un répertoire de stratégies qui leur permettent de dire, voilà, j'ai une difficulté avec un mot, un pronom, un qui, un quand, un où, etc., avec le déroulement de l'histoire, alors je peux aller chercher le raisonnement correspondant dans la stratégie. Donc c'est juste, hein, c'est une manière, c'est un enseignement qui leur demande de permettre, qui a pour objectif de permettre aux élèves de connaître les procédures qui sont utilisables face à une difficulté et de savoir quand, pourquoi et comment les utiliser. Donc en conclusion, je conclurai sur les débats pédagogiques, donc parce que vous savez tous, en fait, qu'il existe de nombreuses entrées dans l'enseignement de la compréhension, qu'il existe des débats, des oppositions, et que, notamment, souvent, l'activité d'enseignement direct que je viens de décrire, qu'on appelle aussi parfois des activités modulaires ou des activités décrochées, est souvent opposée à la lecture de textes longs, complexes, dans lesquels on enseigne les stratégies de manière intégrée à l'occasion de la lecture du texte, quand une difficulté se présente. Donc je dirais que ces deux entrées, elles ont toutes les deux leur mérite, et elles ont toutes les deux aussi à faire face à certains obstacles. Les activités modulaires, c'est évident qu'elles ont des difficultés en termes de transfert des stratégies apprises pour comprendre des textes longs. Et donc, les activités de réinvestissement sont là pour ça. Je prendrai l'analogie avec la maîtrise de la langue. Vous savez tous, quand vous avez appris à vos élèves, par exemple, les principes des accords des participes passés ou des sujets, verbes, etc., que ces connaissances-là ne sont pas réinvesties spontanément dans la production d'écrits, ou dans le traitement des textes. Par exemple, si vous avez la phrase « je suis allé » et « e » et que vous demandez à l'enfant qui est en train d'écrire la lettre, eh bien, souvent, les enfants, petit A une fille, petit B un garçon et petit C je ne sais pas, eh bien, souvent, les enfants soit répondent au hasard, soit vous disent « je ne sais pas », parce qu'ils ne savent pas utiliser l'accord pour déterminer qui est en train de lire. Donc, pourtant, ils le connaissent, ils le connaissent cet accord, mais ils ne le réutilisent pas spontanément, de même qu'ils ne les réutilisent pas spontanément dans leur production. Donc, évidemment, il y a cette question du transfert et de l'accompagnement de ce transfert. Et puis, l'enseignement intégré, eh bien, là encore, il y a un problème de mémorisation des procédures. Là, il y a un problème de mémorisation des procédures. C'est-à-dire que, notamment pour les élèves les plus faibles, quand on envisage au fur et à mesure des textes les différentes stratégies qui peuvent être nécessaires pour combler des lacunes ou résoudre des problèmes, eh bien, on risque d'avoir des difficultés à les mémoriser toutes, hein, surtout si tu es un élève faible compreneur. Donc, du coup, il y a aussi un problème de transfert qui va être, si on ne mémorise pas, on va avoir du mal à réutiliser dans d'autres contextes. Donc, c'est des choses dont il faut avoir conscience pour pouvoir se dire que, finalement, quand on a une question qui est de construction d'un enseignement de cette habileté si complexe qu'est la compréhension, à mon sens, il y a des va-et-vient nécessaires et permanents entre le contact avec des textes plus ou moins compliqués qui peuvent poser des problèmes suffisamment saillants pour qu'on aille vers des activités modulaires
pour apprendre à résoudre ces problèmes et puis à les réinvestir dans des textes. Donc en fait, des approches complémentaires plutôt que des approches qu'une approche unique en fait. En gardant présent à l'esprit, bien entendu, que l'objectif de l'enseignement de la compréhension, c'est que les enfants parviennent à une compréhension approfondie des textes, que cette compréhension, évidemment, est adaptée au niveau scolaire, mais surtout qu'elle doit se passer dans toutes les disciplines. C'est-à-dire que l'enseignement de la compréhension n'est pas juste l'apanage de l'enseignement du français. Et que, bien sûr, les choix des dispositifs et des entrées pédagogiques, eh bien, c'est aussi une question du temps scolaire, c'est-à-dire quel temps disponible on a pour enseigner la compréhension, pour quel coût et pour quel bénéfice, en fonction, évidemment, des élèves auxquels on a à s'adresser. Et donc, un appel aussi, j'en avais beaucoup parlé il y a 2 mois pour l'affluence, pas du tout ici, mais un appel aussi à l'idée, à l'attention, à la différenciation, hein, et à la capacité à diagnostiquer où en sont les enfants pour pouvoir répondre à leurs besoins. Voilà, j'ai terminé et je remercie.